Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fringy. Aujourd'hui on est sur le Mulgrange, à l'épisode 20, et on est à l'extérieur. Allez, on y va tout de suite. Salut le petit caneton, salut le petit poulet, caneton, caneton, poulet. Toi tu vas cuire, toi je vais te faire rien. Eh ben écoutez, ça va le faire les amis. Je suis à l'extérieur aujourd'hui, j'ai fait un peu d'exploration. Il n'y a plus trop de bois à pas, j'ai mis le feu pour avoir un peu de place autour de ma petite porte. J'ai mis un lit, un petit camp improvisé. Et ici, c'était bien cool parce que j'ai vu un truc bizarre qui se promenait dans le ciel, c'était ça. Alors ça, les amis, comme vous pouvez le voir, ça ressemble à quelque chose qu'on pourrait dire qui serait... Tout à fait, chers amis, c'est une mine désinfectée. Le mot en anglais, je ne l'ai pas en tête. Et c'est une mine désinfectée. Donc j'ai déjà fait un petit tour là-dedans, c'est bien cool. Et ça, comme par hasard, c'est pas comme par hasard, cette nouveauté, c'est une mise à jour et tout. À la base, les mines désinfectées, c'est dans les sous-sols. Mais à l'extérieur, c'est à côté de quoi? C'est à côté du Mesa. Un biome Mesa, donc. Le biome que j'avais besoin, bah ça, j'avais besoin des clés pour avoir voilà le biome Mesa, c'est bien sympa pour avoir des clés justement, c'est ça le but du biome Mesa. Et puis bah des mines, hein, il y en a partout, j'ai fouillé un peu déjà, j'ai pas récupéré des masses, mais pour la clé ici c'est top. Donc je ferraille un peu la montagne, je sais pas ce que je ferai spécialement avec pour l'instant, mais pour l'instant, c'est cool, j'ai de la clé et j'ai mon biome Mesa et je suis bien content. Alors, pour la suite des opérations, chers amis, chers abonnés, je vais retourner à la maison. Et on va voir où on en est et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on y va tout de suite, là est-ce que j'ai encore des trucs à récupérer d'important, pas spécialement, donc on passe par la porte et on va tout de suite où on est, allez. Voilà les amis, j'ai passé ma petite porte, donc ça c'est une nouvelle porte, hein. j'en ai fait une ou deux de plus, et bah, la porte où il y a mes mines désinfectées dans mes... de l'épisode d'avant, donc dans mes failles, c'est cette porte-ci. Donc l'autre n'est pas très loin, pourtant elle a moins de 100 blocs, hein. Mais je suis fini dans le biome, mais ça c'était vraiment sympa, ça c'était vraiment cool, donc je suis bien content. J'en ferai une autre porte certainement, j'en ferai d'autres pour faire un peu d'exploration, parce que j'aime bien explorer, ça me change un peu des épisodes basiques que je fais habituellement. Et là écoutez, on va retourner à ma porte principale pour retourner à la maison. En parlant de la clé, chers amis, en parlant de la clé, je m'étais aperçu, j'ai fait un test, ça doit être marqué sur le wiki, ce qui est logique, ou même dans vraiment sur les sites où il y a vraiment le tas de le crafting complet, on peut obtenir de la clé autrement que dans un biome, mais ça, c'est bien entendu en faisant cuire un bloc d'argile. Donc, la terre grise qu'on trouve dans les marais, enfin dans l'eau la plupart du temps. Et par contre ça se pour pouvoir avoir de la clé, il faut le crafter en bloc, donc les bouboules faut les crafter en bloc, car si vous les craftez pas en bloc, les bouboules vont faire des briques pour faire les blocs rouges en briques tout simplement. Mais une fois que c'est un bloc de bloc d'argile, je m'excuse, une fois au four, ça vous fait de la clé. Bon, c'est quand même plus simple, chers amis, de faire quand même, de tomber sur biome, mais ça, parce qu'on en a beaucoup plus que chercher de la glaise, de l'argile partout dans tous les marais qui traînent. C'est plus simple, je sais pas pourquoi j'ai la glaise, je sais pas, ça y ressemble, c'est gris. Bon, maintenant on va dans la porte parce que la plupart du temps ça fait tellement de bruit que je préfère discuter juste avant d'y aller. Donc on se retrouve à la maison tout de suite. Voilà, on est arrivé, chers amis. Donc est-ce que j'ai quelque chose à poser? Non, rien de spécial. Je suis retourné au biome exprès pour vous montrer ce nouveau biome.
Enfin, j'ai pris la porte du Nether exprès pour vous montrer ce nouveau biome que j'ai découvert qui est bien cool. Donc la glace, c'est ça, hein. L'argile, je m'excuse. L'argile, c'est ces blocs-ci. Donc au four, pouf, ça fait de la clé. C'est nickel. Donc là, je me suis mis des fours exprès pour l'argent et l'or. Je récupère les XP. C'est pas trop mal. J'ai fait un petit peu une petite usine à colorant vert. Donc avec nos capus, avec nos petits hoppers, tranquille, mimille. Ici, rien de plus, rien de plus, rien de plus. Et pour cet épisode, chers amis, on est donc bien à l'épisode 20 du mode grange. Je ne sais pas combien encore il y aura d'épisodes sur ce mode grange. J'ai décidé quand même d'avancer un peu mon mode grange parce que ça. Les structures n'avançaient pas du tout, à part dernièrement mon tombeau. Qui ne tardera pas à être rempli par moi-même et mes petits chachas, bien sûr. N'est-ce pas, Maître Wither? On va dire bonjour à Maître Wither quand même, parce que ça fait un moment qu'on s'est pas vu, hein, Maître Wither. N'est-ce pas? Qu'est-ce que t'en penses, Maître Wither? Je te salue gaiement. Je te salue gaiement, Maître Wither. Comment ça va? Bah écoute, Fraggy, je suis bien content de te voir depuis le temps. Je sais pas ce que tu foutais, t'es en vacances ou quoi. Désolé, Maître Wither, mais. Voilà, hein. C'est comme ça la vie, on peut pas faire toujours ce qu'on veut. Hein. Mais bon, enfin, on y est, enfin, on y est, enfin. Donc là, il fait nuit, j'ai perdu mon lit, je vais déplacer. On va passer la nuit. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'on fait, où on en est. Tout de suite. J'ouvre la porte, mais on verra pas ce qu'il y a derrière. Tac, allez, à tout de suite. Ah. Ça fait du bien, ça fait du bien une bonne nuit de sommeil, les amis. Ça fait du bien une bonne nuit de sommeil. Bah, quoi de neuf sur mon mode grange depuis le temps? Depuis le temps, quoi de neuf? Écoutez, on lève les yeux. Et à ceci, qu'est-ce que c'est? Chers amis, dans le mode grange, comme dit le titre, bien entendu, il y a une grange qui a été prévue, qu'on devait faire. Et j'en ai fait une bonne partie. J'ai bien bossé dessus, j'ai décidé. Pour l'épisode 20, j'avais pas trop d'idées pour faire quand même l'épisode 20, c'est quand même l'épisode 20. On va faire quelque chose de spécial, donc j'ai décidé d'attaquer ma grange. Donc là, j'ai bien bossé quand même, je me suis mis à fond les malons, à fond les manettes. Et notre grange, près du mot de grange, près de notre maison, elle est là. C'est une sacrée belle grange, c'est style western, enfin style américain. Hein. On va la voir de l'extérieur. Donc, à part notre grange, m'excuse, parce que le mode grange, ça va toujours avec le mode, donc c'est le mode grange. J'ai déplacé mes bourripets, j'en ai trucidé 2-3 parce qu'ils se faisaient la malle. J'ai terraformé pas mal, hein. Là j'ai terraformé là, j'ai enlevé là, j'ai terraformé tout ce coin-là, j'ai pas mal trop, j'ai pas mal bossé. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bien cool. Je suis bien content, il y en a un qui se baigne là-bas. Je suis mort, je sais pas combien de fois, bien entendu. Et écoutez, on va aller voir cette grange qui est en cours. Donc aujourd'hui, on va aller faire un peu de minage au Nether pour récupérer de la Netherrack, pour faire de la Nether brick, pour pouvoir continuer le toit. Car il ne nous reste plus que ça en bas, c'est bon. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc c'est un peu style américain, enfin c'est style américain, c'est. Grange américaine, j'aime bien, elles sont ça. Voilà, c'est ce type, c'est le mode grange, c'est western, donc faut que ça soit un peu américain. Donc on a un accès là, un accès là-bas. Donc là, nous sommes au niveau 1. Donc ce serait le stockage, parce que bon, les granges étaient faites pour stocker la nourriture, la paille, tout ce que vous voulez. Donc là, il y aura des espaces de stockage, hein. Bon, ils sont pas très grands, mais bon, je suis tout seul, donc j'ai pas besoin d'avoir un stock énorme. Donc là, ici aussi. Donc, comme pour toute grange américaine, on rentrait. Je vous laisse type de grange, donc avec une porte à l'étage ou avec un truc avec une corde, faudra que je mette un truc. Bon, je suis sur deux blocs, ça va être un peu compliqué, on va pas être dans l'axe. Pour monter les réserves, pour monter les réserves dans ce grenier, on va dire, le grenier de la grange. Donc il y a deux portes, une de chaque côté. On va descendre. Donc là, j'ai déjà mis de la paille. Là, j'ai mis en pierre, c'est pas mal, parce que la terre, ça va pas le faire. Là, on va voir encore ce qu'on fait. Nous avons nos petits box pour les chevaux, donc ils viendront. Là, j'ai mis la grange en plein milieu de mon corral
mon corral énorme que j'ai déplacé avec mes bourriquets. Ils peuvent rentrer, bon, il n'y en a pas encore un qui est rentré, mais ils tournent autour, ils se promènent. Ils peuvent rentrer, ils peuvent se promener, c'est tranquille, mimi. Alors, on va aller voir de un peu plus près la perspective de cette grange. Et puis, voilà, quand je ressemble à ça, il y a les machins qui m'emmerdent. Donc, aussi à fond, une grange, elle est rouge, couleur rouge, je voulais une couleur rouge, c'est sympa, ça change la couleur là. Là-bas, j'ai une petite fuite. Donc, elle est rouge, donc l'entrée est ici, ça c'est censé être les portes. Ces axes blancs, c'est censé être les axes de porte, car c'est des portes coulissantes. À droite et à gauche, donc deux grandes portes coulissantes, fenêtre, fenêtre. Et là, donc, notre porte ici, qui est utilisée, toujours coulissant aussi. Bon, on ne peut pas mettre les portes parce que les blocs sont trop grands, ça fait moche, ça ferait moche. Donc, c'est les portes ouvertes. Et c'est là qu'on montait la paille et tout le bordel, là en haut. Donc, le pan, il est assez spécial, il est assez plat là, et après, ça descend jusqu'en bas. Je vais vous mettre une image. De la grange originale, une photo de l'image de la grange originale que je voulais faire. La copie, le modèle du moins, et ça y ressemble pas trop mal. Ça y ressemble pas trop mal. Elle est quand même vachement grande. En longueur, elle est quand même vachement longue. Mais elle est sympa. Donc il y a des fenêtres à tous les box. Et puis bah écoutez, c'est bien cool. Moi je trouve qu'elle est bien cool cette petite grange. Donnez-moi votre avis, les amis. J'ai pas encore fini, c'est quasiment fini. Il manque quoi ouais, il manque juste pour le toit, finir le toit. Hein. Deux, trois blocs par-ci par-là. Et puis, écoutez, on va miner un peu au Nether pour récupérer de la Netherrack, pour faire de la Nether brick pour continuer cette grange. Donc, écoutez, on va sauter par là. On va y aller tout de suite. On va faire, on va voir la, on va avoir une vue bien précise, un peu plus haut, d'un angle différent. Donc ici, ça a l'air pas trop mal. Ah, franchement, elle est pas mal, je trouve. Elle est un peu basse à ce niveau-là, je trouve. Elle est un peu raide, mais c'est le modèle que je voulais. Elle est bien sympa. Moi, je trouve bien sympa. Vous m'en direz des nouvelles. Vous me dites, si... le design est sympa. Bon, elle est assez simple, hein. Elle est assez basique. Mais j'aime bien. Franchement, elle est bien. J'ai récupéré beaucoup de bois pour refaire tout ça. J'ai pas mal travaillé, c'est vrai. J'ai pas mal travaillé. J'ai encore du bois par là. Et puis, écoutez, on va pas perdre de temps. Ça faudrait que je brûle. On va aller tout de suite nous choper 2-3 pioches. Pour faire des pioches, parce que j'en ai plus. J'ai tout cassé. J'ai bien travaillé, donc j'ai cassé. Hein, entre le biome Mesa. Et l'épisode d'avant, donc qui était mon nouveau spooner que j'avais trouvé avec mon autre porte. Moi, j'ai même pas besoin d'en faire des pioches, pas j'en ai à gogo. On va récupérer du quartz au Nether et puis de la Netherrack. Quelle pioche nous allons prendre? Celle-là, elle est bientôt foutue. Faudrait que je la convertisse avec. Touch, non. Celle-là est complètement éclatée. Peut-être la changer. Je suis à 3. Unbreaking 3, Breaking 3. Breaking 1. Celle-là, elle a rien. Je peux mettre avec celle-là. Je vais la réparer, celle-là, parce qu'elle est carrément pétée. Paf. Ça, c'est pas trop mal. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Breaking, donc ça, c'est celle que je viens de faire. Ou c'est celle-ci? Non, c'est celle-ci, je vais mettre. Un breaking 3. Réparer celle-là avec celle-là aussi. Tac tac. Mais la fortune, je vais la laisser là-dedans, je vais pas la perdre. Celle-là, j'en ai qu'une. Je vais pas la foutre en l'air. Je vais réparer celle-ci. Une fortune 1 avec fortune 2. Non. Ouf, efficiency, efficiency. Celle-là, elle est pas mal, mais il faut que je la répare avec une autre. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre?
Je vais prendre une pioche toute con. Je vais refaire une exprès pour la réparer. Tac. Comme ça, on perd pas d'enchant inutilement. Et là, j'ai pas beaucoup d'XP. Oula, j'ai fait beaucoup de pioches sur un coup. C'est pas grave. Donc, c'est celle-ci, Unbreaking, celle-ci que je voulais. Je vais réparer les deux. Oui, je suis. Les trois même, je vais toutes les réparer tant qu'à faire tac. Là faut que j'en prenne une. Les enchants j'ai pas encore, j'ai tellement pas assez d'XP, je les ai perdus la dernière fois. Quoi j'ai plus assez. Ah ouais non j'ai plus assez. Bon, ça sera pour la prochaine. La prochaine expédition. Alors, on va arranger celle-ci. Celle-là je peux la garder. Je garde cette fortune là, celle-là. J'en ai un breaking, un breaking. J'ai ça. Je pose mon barda, les amis. Je me prépare. Peut-être réparer mon armure, elle est carrément dérouillée. Et puis on y va tout de suite. On se retrouve au Nether. Allez. Et bah écoutez, les amis, voilà ma petite photo de ma grange. Donc, on voit bien que les portes sont rouges. Que les coulisseaux des portes sont blancs. Donc, ça sera bien ouvert. Les portes, les fenêtres sont blanches. Donc, tous les quatre sont blancs. Et le toit, il est assez spécial. Donc ça fait un peu bas, le modèle c'est ceci, il y a pas le petit truc avec le perroquet tout en haut. Mais voilà, ça ressemble à ça approximativement. Donc voilà le modèle que j'ai pris et logiquement il y a sur les côtés, comme ceci, il y a les petites fenêtres. Il y a une petite trappe là, je vais peut-être la faire. La petite porte sur les côtés. Je devrais peut-être pouvoir la faire, ça peut être intéressant. Donc ça je ferai à l'occasion. Hors ligne, et vu qu'on est bientôt à la fin de notre grange, ça sera pas dans cet épisode, donc je le ferai hors ligne et on verra ça au prochain épisode. Donc voilà l'image de la grange que je veux. Allez, on y retourne. Et ben nous voilà au Nether, les amis, nous voilà au Nether. Écoutez, on va ranger un peu le bordel, on va organiser un peu tout ça, et puis on va aller miner un peu. Donc ça, je vais mettre ça là, ça, ça, le poulet, la terre, ça, une deuxième pioche, et vu qu'on sera là, on irait dans quel côté, de quel côté nous irions, je dirais qu'on pourrait aller, on peut aller par là, continuer par là, j'ai commencé déjà à miner, hein. Je vais prendre un petit coup, comme ça on verra un peu où je vais. Voilà, c'est mieux. J'ai commencé déjà à miner un peu. J'ai récupéré... Bon, il y avait Monsieur Wither, là-bas en bas. Mais on n'est pas là pour eux aujourd'hui. Donc on a commencé un peu à miner. Vous pouvez voir, j'ai fait un gros trou. Je suis retombé sur mon petit chemin qui mène à mon usine à XP qui est donc l'usine à XP qui est donc l'usine à Blaze. Quel chemin il est, je sais même pas où il est d'ailleurs, le chemin est où, il est où le chemin, j'ai mis une torche là, ouais faut aller quelque part, il est quelque part. Là il y a des blazes en bas. Là il y a du quartz. Là il y a du sable des âmes. Et sur le coup je me suis ouvert une petite porte ici. Je me suis genre ouvrir une nouvelle, on va aller voir où ça va. Neige tranquille là, c'est je l'explorerai à l'occasion, peut-être on verra. Si j'ai besoin de neige, je saurai où venir. Je sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant par là, mais bon, on n'y est pas là pour ça. On va continuer. Je continue à creuser encore dans la direction derrière la porte. Donc j'attends que le bruit de la porte se ferme.
attendre que la porte ait fini de faire du bruit. Et puis on va continuer à casser par là. On va aller chercher. On va miner par ici. Donc ça, je vais l'enlever. Double porte. Donc j'en ferai peut-être encore plus loin dans ce secteur-là. Elle mine pas très vite, hein, cette pioche. L'autre d'avant, de Dieu. Ça défouraillait quelque chose de sévère. Donc, bon, c'est pas grave, on va continuer avec celle-là, ça va déjà assez vite. Ça va pas trop mal. Ça jouerait beaucoup de Nézarak. Il y a aussi un peu de lave. Donc, ça, la lave, c'est un peu problématique. Il faut aller très vite pour éviter de se faire piéger. Tac. Voilà. Et on peut continuer dans son sein, donc. J'ai pas mal de netherrack pour faire nos briques, pour faire finir notre grange et d'avance pour la prochaine structure. Alors ça, je vais prendre un petit pelle. Et on va continuer dans ce sens-là, parce que celle-là va plus vite. Un petit peu quand même. Si je tombe sur du quartz, je m'en occupe. C'est toujours utile. Là, je vais refaire aussi une tranchée par là. Comme ça, on peut passer des deux côtés sans forcément passer par au milieu de la porte pour le passage. Mais bon, pour l'instant, n'y aura pas de problème. Et puis sur cet épisode, on va finir cette grange. Je m'excuse tranquillement, qui est bientôt faite d'ailleurs, bientôt finie. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant par là? Rien de spécial. Le mieux, c'est que j'aime bien la musique du Nether. Mais il manque de son quand même, la musique Starmade. Elle est pas toujours, elle s'active pas tout le temps. Mais quelquefois, c'est glauque, ça, on n'entend rien. Il faut vraiment que je me colle à trouver des bruits d'ambiance. Je vais me trouver des bruits d'ambiance et je les mettrai en image de fond, en son de fond, je m'excuse. Par-dessus tous les sons qu'il y a là, actuellement. Donc le minage, la musique de Starmade. De Starman Minecraft pour avoir un petit fond bien sympa, pour avoir un peu de son quoi, ça. Des fois c'est glauque, puis quelquefois je sais plus ce que je dis ou je dis plus rien, et puis on n'entend plus rien. Et c'est pas terrible, les amis, je suis d'accord avec vous. Alors on va flinguer cette pioche, on va flinguer l'autre pioche, celle des deux enchantées. On va construire une autre porte plus loin, voir ce que ça donne, on tombe. Un biome intéressant, biome de neige, de glace du moins. Bon, je sais qu'il y en a un pas loin. Il y en a pas loin, c'est un bien grand mot. Je sais que j'en avais visité un pour mon comment ça s'appelle déjà, mon ma tour à mob. S'il faut des vraiment des de la glace, compacted, pas de la glace toute con, ce qu'elles font. Elles se transforment en eau. J'ai dû aller dans ce biome là, je sais qu'il est. Je sais où il est à peu près sur ma map, mais je crois pas que c'est dans ce sens-là. Oups, un peu de lave toujours, donc je me méfie avec ça. Ça c'est vraiment. En plus c'est vachement volatile ici, dans le Nether. Elle va beaucoup plus vite que. Est-ce que j'ai bouché la source? Ouais, j'ai bouché la source. Elle va beaucoup plus vite que dans d'autres petits mondes normaux. Moi elle m'a bouffé tous mes petits blocs. Oh. Il y a une jolie petite sortie par là. Peut-être on tombera sur une nouvelle forteresse par là-bas au fond. Ça ferait pas mal, pourquoi pas. Et qu'est-ce que je disais? On continue. C'est trop très bien. Puis on pourra remonter un peu à la surface. Faire par petites rampes. Une pioche de pété. Et comme je disais, ouais, je vais essayer de mettre un peu de bruit. Je vais me choper des sons, trois petits sons. J'avais promis des sons pour Starmed que j'ai toujours pas. Il faut que je cherche aussi. Faut que je les chope et puis que je puisse les mettre.
Ça permet de tuer, essayer d'avancer un peu sur le sur Minecraft. C'est un match, j'en ai fait quelques épisodes, mais pas Minecraft. Il faudrait que j'essaie d'avancer sur les deux en simultané, mais c'est pas toujours simple, les amis, ça je vous dis. C'est pas toujours simple. Alors, pof pof, j'ai toujours ma vision nocturne, mais c'est bon. Bah, logiquement, oui, autrement, j'aurais plus rien, forcément. J'ai trop d'idées, j'ai trop de questions. Alors là, je vais faire comme ça, puis je vais remonter direct en hauteur. Faire une petite rampe là. Pas grave, hein, si on va très loin, c'est pas un problème. Là, je vais faire des niveaux 2. C'est vrai qu'il me manque une structure au Nether, c'est sûr, mais je pourrais faire comment dire, une petite tour à or. Une petite tour à or, c'est tout bête, avec nos petits amis les zombies. Ping zombies. Mais bon, ils sont gentils, ils m'énervent, ils m'embêtent pas, donc oups. La vision nocturne s'enlève. On va reprendre tout de suite l'autre. Jusqu'à ce que ma pioche soit raide. Donc je vais la mettre là. Ah, j'engrange pas trop mal de. Tech. J'engrange pas trop mal de. Pas mal de netherrack. Pas bien de se mettre mauvais oeil, s'il y a une source de lave, je me fais cramer direct. Et puis on va partir par là au fond. Y a-t-il un trou ici? Oui. On va partir encore, on va monter là-haut pour voir ce qu'il y a. Juste pour voir. Voilà. C'est un peu de la semi du semi-minage, j'explore un peu dans ce secteur-là. Je dois mettre des torches parce que quand j'aurai plus de vision nocturne, je ne saurai plus où je suis. Là, bon, je tire droit. Voilà, on a un joli petit mont à creuser, donc on va creuser notre petite montagne là. On redescend. Manger un peu, parce que je me fatigue là. On va tirer tout droit. Va tirer tout droit, on va faire un petit portillon, un petit pont là-bas. Celle-là, elle mouline, hein, celle-là. Des torches, parce que j'en ai, oui j'en ai, on va dire. Surfringui, on continue par ici. Alors, boucher un petit coup là. Et voilà, ça avance pas trop mal. On est bientôt au bout de ma pioche. Et après, on pourra en faire une porte. Je sais que j'ai de l'obsidienne là-bas dans un de mes coffres que j'avais mis déjà pour la première porte. Donc l'obsidienne, je l'ai laissé là-bas. Et je pourrais ouvrir une nouvelle porte par là en espérant qu'on tombe sur un truc intéressant. Petit biome intéressant. Ça me ferait bien rire si je tombe sur nouveau sur un biome Mesa, mais là, ça fait quand même. Là je creuse quand même vachement loin, hein. Je suis quand même vachement loin de l'autre porte qui m'a amené un peu au biome Mesa, mais pour tomber sur un biome. Ah biome. Non biome jungle, je sais où il y en a. J'aime bien le biome jungle aussi. Je sais pas dans un prochain projet de let's play, je sais pas précisément. Peut-être qu'on fera un truc
dans un biome jungle, ça c'est un de mes biomes préférés. Avec beaucoup de verdure, j'adore. C'est vraiment la nature luxuriante, j'adore ça. Mais on verra, ça c'est pas au goût du jour pour l'instant. On va déjà essayer danser sur ce let's play-ci et sur ceux qui sont en cours déjà. Avant de tomber dans la lave. Voilà, ça y est, j'arrive au bout. Donc je peux pas aller plus loin, je peux pas aller plus loin pour ici. Voilà, je vais pas creuser plus. Personne derrière? Non. Donc, à part écouter notre petite porte, on va la faire là. Hein. Je vais bloquer ici. On va creuser. Là. Là aussi. Et on va aller chercher notre obsidienne. Mon petit chest là bobo, donc on court en sautillant, bien sûr, parce qu'on est content, parce qu'on a fini. Je pourrais mettre des torches aussi, j'ai remis les fringues, je pourrais mettre des torches. Donc je passe pas par celle-là. Ça fait une trotte quand même là. Tu as les petits bing zombie bébés. Coucou, j'aime bien vos épées en or. Elle est toujours intéressante. J'ai pas d'obsidienne là. C'est ça que j'ai pas d'obsidienne ici, moi. J'ai tout ramené. Oh bon, j'ai tout ramené. Bon, tant pis, hein, écoutez, c'est pas grave. La porte, hein. On n'était pas prêt. Je m'excuse. On n'était pas là pour ça. Donc c'est pas grave, la porte, on l'ouvrira une autre fois. On est sur le montage de ma petite grange. Donc. On va aller monter cette grange, on va finir cette grange. Ah, toujours un ghast qui traîne par là. Je les aime pas. En plus on les flingue et on peut même pas récupérer leurs XP ni je m'excuse ni quoi que ce soit parce qu'ils tombent dans la. C'est sauvage. C'est sauvage. Bon, on passe la porte, on se retrouve à la maison. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, ma vision nocturne tombe en rideau. Je ne vois plus rien, bientôt je ne vois plus rien. Non, c'est bon. On a de la lumière ici. Écoutez, on est de retour. J'ai balancé des trucs dans ma fournaise. Par mon petit puits, bien entendu. Je récupérais 2-3 saurisons. Sur mes sauts. Ah, ils sont là. Mes sauts, c'est. Ouais, on le montrait, il arrive à pas. Il doit bugger avec mes portes automatiques en haut. Là. Ça, c'est un truc que j'aurais dû faire. J'aurais dû prendre plus de place, hein. J'aurais dû calculer ça. Bon. C'est pas grave, c'est bon pis. Je vais recharger ma fournaise. Mais par contre, j'ai besoin d'un. Je vais prendre un peu de gravel. C'est pas de la gravel. Non, la gravel, c'est de l'autre côté. Prendre un peu de gravel pour essayer de combler un peu mon. Gravel. Pour combler un peu mon trou. Ma source d'énergie, donc mon petit lac de lave, voir où ça en est. Vais remplir mes seaux, je vais rebalancer tout ça dedans. Attends, je me rappelle que j'ai miné ça avec mes petites pioches en fer. Ouais, c'était. Je sais pas, j'aime pas utiliser, j'aime pas gaspiller le matériel, mais là. Pioche en fer, c'était horrible quand. Enfin, pioche en fer, pioche en pierre. La plupart du temps, c'est vrai que j'utilisais souvent. C'est assez folklorique, hein, quand même. Hein. De ce point de vue-là. J'ai un fringué. C'était long, quand même. Hein. Je travaillais beaucoup avec. Hein. Maintenant, on a assez avec de l'argent. Si je peux les enchanter, c'est encore mieux. Mais pour l'instant, c'est pas toujours au top. J'ai pas toujours suffisamment d'enchantes. Pas suffisamment d'XP pour faire des enchantes parce que vu que je claque souvent, c'est pas terrible. Bon, alors là, ma fournaise elle tourne. Là, je vais bloquer ici. Voilà, et là, je devrais pouvoir avoir quelque chose d'intéressant. Là, j'ai l'impression que la lave elle vient de ce coin-là. Faut que je bloque ici aussi parce que j'arrive là.
ça se réduit. Donc j'ai une source qui traîne là-bas encore. Je vais prendre sortir sur cette source. Et après, je sais pas s'il resterait quelque chose. Voilà, pas mal là. Là, j'ai quelque chose. Là, j'ai quelque chose. Non, je crois que c'est bientôt bon là. Bon, on va continuer par là. Alors, on va piquer direct là au fond. Voilà. On va charger ma bécane. Hop là. Voilà, il y a toujours des sources hein, qui traînent. Hein. Il y a des sources encore là par là. Voilà, il y en a une là. Il y en a une par là en dessous. Il faudra que je... en avoir partout qui creuse sous la machine. Qui doit passer là-dessous. Bon, pour l'instant, ça mouline. Oh, fournaise. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'ai de la pierre là? Ah oui, mais j'avais mis de la pierre. La fois d'avant. Pour faire du. Ah, j'ai plus besoin de ceci, moi. J'entends un zombie. J'entends un zombie. J'entends un zombie. C'est bizarre. Faudra aussi que je me colle à ça. Ah, super. Super mine. Super mine optimisée. C'est vraiment pas mal comme système. Moi, je minais pas comme ça dans le temps. Bon, écoutez, on va récupérer nos petits. Nos petites briques. On va récupérer nos petites briques et on va retourner direct voir la fin de la grange. Et puis on finira cet épisode là-dessus. À tout de suite. Hé hé hé, les amis, regardez-moi ça. En avant de notre petit portail. Pour entrer dans notre grange, dans notre enclos. Bon là les couleurs sont pas bonnes, je les modifierai après parce que j'avais pas les portiques de la bonne couleur, mais je modifierai plus tard. Écoutez, mon toit, je viens de finir. Et maintenant ce qu'il nous reste à faire, à mettre un petit peu de déco vite fait. Donc on a déjà là un peu de paille, tranquille. Hein, ça n'a pas changé. Petit tas de paille là. Et là ce qu'il nous faut. Bien sûr, c'est pour le forgeron, je savais plus. Je savais plus le nom du gens qui s'occupaient des chevaux, c'est le forgeron. Enfin non, c'est pas le forgeron. C'est l'enclume du forgeron qui fait un tas de trucs, y compris les fers à cheval. C'est pas le forgeron, c'est le. Je sais plus comment ils appellent. Ben, voilà, c'est l'ami du forgeron, on va dire. C'est l'ami du forgeron qui vient s'occuper de mes bourriques. Faudrait que je rentre des bourriques. Faudrait que je rentre des bourriques par-ci par-là. J'en bloquerai, je les amènerai par là, je les traînerai par là, par les cheveux, par le. Est-ce que je veux dire? Un peu de paille. Et puis écoutez, je crois que ma grange est pas trop mal. Si vous avez un petit truc, vous dites, ouais, mais la fringue, tu pourrais mettre un petit truc là, tu peux mettre ça, tu pourrais foutre ça. Écoute, mets ça. Écoute, pourquoi tu mets pas? Bah écoutez, dites-le moi, puis je le mettrai. Si j'ai pas d'idée là tout de suite, j'ai la paille, d'accord. Faire des caisses, je pourrais faire des caisses aussi. Faut que je ramène des bourricots, hein. C'est une grange. C'est une grange pour boire les bourricots. Faudrait que je ramène des vrais, pas des squelettes. Et puis écoutez, les amis, bah, je crois que cet épisode est pas trop mal. Cet épisode est pas trop mal. Donc écoutez, pour le 20e, j'espère avoir bien bossé quand même, une jolie petite grange. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis ben, faites-moi des likes, abonnez-vous, partagez, commentez. Dites-moi si je peux rajouter des trucs sur ma petite grange. Et puis ben, écoutez, on se retrouve au prochain épisode. Et puis ben, merci beaucoup d'avoir suivi ce 20e épisode du mode grange qui a tardé à venir. Mais enfin, il est là, avec la nuit qui tombe. Avec un petite botte de paille, faites pas les fous les amis. Et puis tchou tchou tchou. Allez, salut à tous.